Wilson racket, €49. Nike tennisschoenen, €49. Bestel ook op perisport.nl. Verkoop uw huis voor de vast... Maintenant, grâce aux radios de la RTBF, je peux écouter à la carte une sélection d'émissions que j'aime. J'ai découvert le podcast. Via Internet, je m'abonne gratuitement, je télécharge, je transfère sur mon lecteur MP3 et j'écoute. Bon, c'est pas compliqué, c'est la plus grande offre en Belgique. Et on vous donne toutes les infos sur les podcasts RTBF sur le site skynet.be. Besoin de carrelage ? Center Carrelage, pour ne pas se tromper. Unique est à nouveau dans le top 3 des meilleurs employeurs. Même chez Unique, nous pensons que c'est unique. Nouvelle sensation en qualité d'image. Viera, la référence en écran plat. Invitez-vous au Club Med. En ce moment, le vol est à 1 euro pour la deuxième personne. Appelez avant le 16 avril au 070 660 660. Monsieur. Après 3 jours de mariage, je pense que votre fille n'est pas faite pour moi. Voilà. Seul Opel vous offre 3 jours de test et vous ne le regretterez pas. Appelez le 0800 90 909. Et actuellement, profitez aussi de 3 ans d'entretien et de garantie ainsi que de 3% de financement. Rendez-vous chez votre distributeur Opel. Are you good from Belgium? Ah, Belgium football, right? Yeah, sure. Big money. Big money. Nice. Yeah. Yeah. You know expect.com? Expect.com? New lobster. Lobster. That's not betting. That's just for fun. Vous avez envie de voir ce que ça donne à l'intérieur, eh bien on va y aller. On y va. Une brique dans le ventre, le magazine consacré à l'habitat, vous apprend tout du confort du logis. Ah, j'aime bien découvrir comme ça des nouvelles choses dans cette émission. Mais... attention, regardez, soyez attentifs et surtout fidèles au rendez-vous. Il y a une maison à gagner. Une brique dans le ventre, tous les samedis à 20h15 sur la Une. Crème énergisante Q10 de Nivea Formen. De notre arbitre... Jupiler, les supporters savent pourquoi. Bonsoir à tous et bienvenue dans Studio 1. Charleroi Standard, le derby wallon, c'est évidemment ce qui nous attend aujourd'hui. Résumé en fin d'émission, mais l'affiche du week-end, c'est bien évidemment Club de Bruges Sporting d'Anderlecht. Il en sera abondamment question dans ce Studio 1. Nous vous proposerons également un portrait de Michael Cordier, le gardien des Loups, à la veille d'un déplacement très important pour la Louvière, au Lyrs. Il y a plusieurs affiches, il y a un programme à regarder ensemble. La semaine dernière, Damien Lahaye n'a pas démérité, loin de là, mais ce soir, face au Standard, Bertrand Laquet retrouve sa place après suspension. Par contre, Kéré, lui, est absent pour un but de carte jaune et Isetak Gül, excellent contre l'Aucheron, sera dans la tribune, il est blessé. C'est Orlando qui épaulera Sterchel devant. Victorieuse en championnat mais battue en coupe, l'équipe de Jackie Mathijsen veut absolument remporter ce derby. Mais attention, car en déplacement, le Standard est la deuxième équipe la plus performante du championnat. Et s'ils veulent mettre la pression sur Anderlecht, les Liégeois doivent absolument s'imposer ce soir.
Et il faudra le faire sans De Camargo, ni Rapaic, ni Costa, tous trois blessés. Nikolaj, Kovalenko et Chité seront chargés d'alimenter le marcoir. Attention toutefois aux occasions galvaudées. A noter, ce sera peut-être le dernier match de la saison pour Conceição, le trop bouillant soulier d'or. L'Irse-Lanouvière, un des matchs de la dernière chance pour les Loups. Ils comptent un point de retard sur leurs adversaires. Le problème chez les Loups, c'est la finition. Trois matchs nuls sans encaisser, c'est bien. Mais samedi, il faudra marquer. Attention, la semaine dernière, le L'Irse a battu Zurich. Le Brussels, lui, reçoit le Germinal Beerschot. Les Bruxellois possèdent la troisième plus mauvaise attaque de D1. Peteux est un défenseur, les avants, eux, marquent très peu. Un homme en forme, toutefois, Mario Espartero. Oubliez le 6-0 contre le Cercle, les Moucronois restent sur une défaite en championnat. Ils ne comptent que 4 points d'avance sur les deux derniers du classement. Ils reçoivent Genk dimanche. Il faudra faire preuve de concentration et d'engagement et ne pas trop penser à cette finale de coupe qui leur tend les bras. Et puis l'affiche de cette journée, c'est bien entendu Bruges-Anderlecht. La victoire est indispensable pour les Blauwenzwart. Il est temps de faire mieux qu'à Westerlo, beaucoup mieux en tout cas. Bruges n'a été battu qu'une fois à domicile. Les Mauves sont prévenus, mais ceux-ci possèdent la meilleure attaque de la série. 58 buts, dont 4 la semaine dernière contre Beveren. Si les Mauves s'imposent à Bruges, ils compteront 7 points d'avance sur leurs adversaires. Le 28e titre du Sporting n'est peut-être plus très loin. Allez, à présent, on aborde notre chapitre consacré au choc Bruges-Anderlecht. Et d'abord, retour sur la confrontation au match aller pour le compte de la 11e journée du championnat de Belgique. Bruges occupait la 5e place avec 6 points de retard sur Anderlecht et le Sporting était 2e avec une unité de moins que le Standard. Kevin Papen. Le 23 octobre dernier, le sommet est très attendu. Les Blauwenzwart, distancés par Anderlecht et le Standard, ont un grand besoin de points. Et le choc a répondu aux attentes. Bruges et Anderlecht se sont livrés sans compter. Résultat, les supporters ont vu du spectacle, mais aussi des buts. Pourtant, les deux équipes ont galvaudé beaucoup d'occasions en début de rencontre. Elles se sont montrées imprécises jusqu'à la demi-heure de jeu, avant le premier coup d'éclat de la partie. Zetterberg, bien joué Zetterberg. Et c'est un remarquable ballon de Zetterberg et Akin, c'est goal et c'est Akin, c'est Akin. Grâce à un service millimétré du Suédois, Akin ouvre la marque, le Sporting est lancé et rentre au vestiaire avec un avantage d'un but. À l'entame de la seconde période, pas le temps de s'asseoir, les Blauwenzwart prennent directement les Mauves à la gorge. La supériorité de la tête, c'est goal, c'est pas la balle. Égalisation brugeoise, les hommes de Jan Keulemans reviennent dans la partie. Mais la réaction anderlectoise ne se fait pas attendre. 49e minute, Akin plante sa deuxième rose de la soirée et redonne l'avance au Sporting. Bruges ne se laisse pas abattre pour autant et la délivrance arrive peu avant l'heure de jeu. Son poteau Verheyen est là, avec Van den Bosch, c'est goal, c'est Verheyen, il a marqué son but. Gert Verheyen réalise une grande première ce soir-là. Il marque pour la première fois de sa carrière sur le terrain des Bruxellois avec le club de Bruges. En toute fin de match, l'arbitre Frank de Bleckere siffle un hors-jeu imaginaire. Le troisième but d'Akin est annulé. Le Sporting aurait dû l'emporter, mais il a perdu 2 points face à Bruges au premier tour. Rendez-vous dimanche pour la revanche. Dimanche, ce très important club de Bruges Sporting d'Anderlecht, ce sera le 62e. Et pourtant, ce sera le dernier, en tout cas pour Gert Verheyen et Per Zetterberg, puisque vous le savez, les deux capitaines ont annoncé qu'ils mettaient un terme à leur carrière en fin de saison. Et pourtant, c'est une carrière au début de laquelle ils ont été équipiers. C'était au Sporting d'Anderlecht. Pas mal de souvenirs donc pour Zetterberg et Verheyen. Nos confrères de la VRT les ont rencontrés. Verheyen, jawel, 2-0. Gert Verheyen, nog altijd maar 17. Ça fait 15 ans. Oui, ça a l'air. À quoi vous pensez quand vous revoyez tout ça? Il était temps d'arrêter et j'ai déjà beaucoup trop joué. Vous le pensez vraiment?
Bien sûr, c'est incroyable de jouer aussi longtemps. Ça fait presque 20 ans que ça dure. 20 ans, c'est comme 20 ans que ça Les coiffures étaient différentes, les visages aussi. Évidemment, on était plus jeunes, c'était le début de notre carrière. Et maintenant, on se retrouve ici à la fin. Quand nous étions jeunes, nous pouvions jouer le samedi et prendre part à un match le dimanche aussi. Maintenant, si je fais ça, je ne dois pas être vraiment beau à voir en jouant deux matchs d'affilée. Ça ne se voit pas vraiment, mais on le sent. Bien sûr, oui, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas un hasard. Mais je comprends les joueurs qui se sentent encore bien. Mais on le sent, c'est certain. Donc, min 2 neigende. Min 2x plus 2 gedeeld door 9x min 1. Ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Nous devons réaliser des bonnes performances à chaque match, car nous sommes jugés par beaucoup de monde. Pas seulement les personnes présentes dans les stades, mais aussi les gens devant leur poste de télévision. Donc, il y a beaucoup de pression autour de nous. Quand on regarde la photo de l'équipe, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous. Vous avez beaucoup de pression sur les épaules et maintenant c'est assez pour moi. Geert est un joueur puissant, c'est toujours un danger pour la défense adverse car il bouge tout le temps. Bien sûr, ses qualités techniques et ses passes très précises. Tout le monde sait qu'il peut donner un ballon bien dosé au bon moment. Je pense que Geert peut jouer partout. Sur le banc ? Oui, sur le banc. Depuis combien de temps vous êtes là? 10, 20, 30 ans? Je pense que si vous gagnez honnêtement votre vie et que vous pouvez subvenir à vos besoins, vous restez longtemps au même endroit. Rien que ce qu'il faut pour vivre, rien de plus, je pense. Est-ce que la succession est assurée? Le temps nous le dira, il est encore jeune, c'est un joueur plus brillant. Plutôt mon style. Oui, plutôt ton style. C'est un grand match, un match à enjeu avec beaucoup de pression. Et Bruges doit gagner. Nous devons vraiment jouer pour gagner. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un match nul. Mais l'intention est là. Mais les dernières semaines, l'envie de bien faire était aussi là et on a souvent échoué. Donc on ne peut pas faire de prévisions, vraiment. Ça peut se jouer sur beaucoup de choses, sur des coups francs ou des corners. D'un côté, on peut dire que ça n'a jamais été aussi facile que cette année. Si on regarde au niveau des points, ça n'a jamais été aussi facile d'être champion. Mais en même temps, personne n'a encore fait le trou. C'est un championnat bizarre. Les entraîneurs et les joueurs ont coutume de le répéter, on gagne ensemble, on perd ensemble. Pourtant, à la Louvière, il y en a peut-être un qui gagne un peu plus de points que les autres. Il est en super forme depuis quelques semaines, il s'agit de Michael Cordier. C'est peut-être d'ailleurs au bout des gants du gardien des Loups que réside l'espoir de leur maintien en Division 1. Michael Cordier est le successeur de Silvio Proto et donc, comme Silvio Proto, il a été à l'école, à la bonne école de Michel Pirsoul, l'entraîneur des gardiens, des Loups. Et pourtant, bientôt, probablement, leurs routes se sépareront. Kevin Papen. 8h30, direction le Tivoli pour Michael Cordier. Comme tous les jours, il se rend très tôt à l'entraînement. À 21 ans, le nouveau portier des Loups poursuit son apprentissage sous les ordres de Michel Pirsoul. Sérieux dans son métier, Michael Cordier a pris les bonnes habitudes avec son entraîneur. Après 2 ans de boulot ensemble, les deux hommes sont aujourd'hui très complices. Mentalement, il nous parle beaucoup. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans... Même dans la famille, si on a des petits pépins, tout. Je veux dire, c'est quelqu'un à qui on peut se confier. Et comme je dis, c'est un deuxième papa. Un respect mutuel règne entre les deux hommes. L'élève est à l'écoute du maître. Pourtant, les débuts ont été électriques.
Quand il est arrivé, il n'était pas du tout comme ça. Hein. Je me rappelle le premier test que j'ai fait avec lui. Je l'ai remballé après 20 minutes parce qu'il n'a pas compris ce que je voulais, quoi, en fait. Donc, je lui ai donné une seconde chance le jour qui suit. Quoi. Donc, il avait un peu mieux compris. Et puis, à partir de là, on a travaillé. Non, Mickaël, c'est quelqu'un qui... Il a fallu le travailler d'une façon importante à ce niveau-là. Il a bien compris à partir, je dirais, de décembre de l'année passée où on a dit « on lève l'option ou on ne lève pas l'option ». Là, je l'ai mis au pied du mur, il a très bien compris. À partir de là, il a commencé à comprendre ce que c'est le football professionnel. Et Mickaël a accepté les règles. Aujourd'hui, le travail a porté ses fruits. Proto, parti à Anderlecht, c'est désormais Cordier qui défend les buts de la RAL. Un défi de taille à 21 ans à peine. Au début de saison, il a M. Ferreira qui m'a dit « si Silvio viendrait à partir, ben, tu as les qualités, donc je te ferai confiance ». Bon, et puis j'ai fait les matchs de préparation et voilà, et puis ça a suivi. Quoi. Et le passage de témoin s'est plutôt bien déroulé entre ces deux gardiens qui sortent du même moule. Silvio Proto, ça restera Silvio Proto, moi je suis Mickaël Cordier. Je veux dire, c'est vrai qu'on a des similitudes physiques assez comparables, on a la même physique, on a les mêmes techniques, parce que bon, c'est normal, on a travaillé avec Michel Pirsol ensemble, donc je veux dire... Il y a tout qui se rapproche, mais bon, je veux dire, il a des qualités, des défauts que j'ai et que lui n'a pas. Pour sa première saison en D1, Mickaël Cordier a pris de l'assurance au fil des matchs. Il a gagné en confiance et s'est montré plus présent dans les buts. Une évolution positive remarquée par Michel Pirsol. Donc diriger des joueurs, des anciens joueurs entre guillemets qui sont déjà là depuis X années, qui ont déjà, je dirais, pas mal de matchs en D1, c'est pas évident. Pourtant, c'est forcément la place du gardien, il doit diriger tout en restant correct et avoir du respect pour ses défenseurs. C'est ce que j'essaie d'inculquer à Mickaël actuellement, ce qu'il a d'ailleurs, je veux dire, il a bien évolué à ce niveau-là. En grande forme pour le moment, le portier louvierois a préservé ses filets inviolés lors des trois dernières rencontres. Parmi celles-ci, un match retient son attention. Je pense que c'est depuis le match au Standard. Là, ça a été mon soir et ça a été peut-être le déclic. Bon, bien avant ça, j'ai fait aussi des bons matchs, mais bon, ce soir-là, c'était vraiment magnifique, quoi. Pourtant, dans le contexte actuel, réaliser de bonnes performances est loin d'être évident. La situation est déstabilisante, mais Cordier trouve les ressources nécessaires pour rester concentré. Une semaine, 15 jours, on est venu nous casser de tous les côtés, quoi. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de bruit via les journaux télévisés, un peu partout, quoi. Et c'est vrai que ça reste toujours un peu dans la tête, mais bon, après, on fait abstraction de ça quand on vient à l'entraînement et il faut s'entraîner comme il faut pour préparer les matchs. Garder le zéro, se donner au maximum pour l'équipe, ce sont les maîtres mots de Mickaël Cordier pour sauver la RAL. Bon, maintenant, ces trois matchs qui vont venir, le Lier Saint-Trombe-Everen, je pense qu'il faudra faire le maximum et les points, c'est là qu'il faudra les prendre à ces matchs-là. Parce que je pense que c'est les trois semaines qui vont être cruciales pour nous. C'est là qu'on va voir si on se maintient en D1 ou bien si malheureusement on n'est plus dans le coup, qu'on descend en Division 2. Quoi. En D1 ou en D2, ce sera normalement sans Michel Pirsol. En raison des affaires, il prendra ses distances avec le club en fin de saison. Mais après Proto, Mickaël Cordier, son deuxième poulain, semble lui aussi promis à un bel avenir. Dans quelques minutes, le résumé de ce Sporting de Charleroi Standard QV 2006. Mais d'abord, Charleroi Standard, 75, 88, 99, etc., etc. Donc un peu de nostalgie en compagnie de Jérôme Eliers. Les Zèbres face aux Rouches, assurément le derby wallon qui déchaîne les passions. Depuis 1947-41, Charleroi Standard ont été disputés. Le bilan, 14 victoires du Sporting, 9 partages et 18 succès du Standard. Électrique, musclé, petite chronologie des derbys qui ont marqué l'histoire. Lors de la saison 74-75, le Standard va écraser les Carolos. C'est Josip Boukal qui ouvre le score avant que Roger Enroté ne se déchaîne et plante 3 buts supplémentaires. Le Sporting de Bertoncello, Baumer, Goré ou encore Blaise ne pourra rien face aux Rouches. Les Pio, Gerets, Renkin ou encore Sigurvinsson s'en donnent à cœur joie. Résultat final, 0-4. Le Standard s'est imposé 6 fois avec au moins 3 buts d'écart, comme ce fut le cas en 88. Van der Smissen rentre dans le jeu, Van der Smissen, Repcic est tout seul là devant Matheson, est-ce qu'il va marquer Repcic? Eh oui! Ah oui, Repcic n'a pas hésité, un grand trou dans la défense, un trou béant dans la défense de Charleroi. Repcic, il est seul, il a trouvé Tchernia en profondeur qui est parti à la limite de hors-jeu. Tchernia, l'occasion pour Tchernia, et le but! Repcic,
auteur d'une excellente passe sur le deuxième but en direction de Tchernia. Regardez ce qu'il vient de faire, c'est joli aussi. Il a le champ libre, Epcic, tout seul, il file vers Matthijssen. Eh oui, le troisième but. Ah, le troisième but, que c'est joli. Soutien de Lux, le centre de Lux, c'est Tchernia qui marque, c'est 0-4. L'ultime victoire Carolo remonte à 1998. Les Zèbres s'imposent dans un stade à moitié vide, le Mambourg étant en reconstruction pour l'Euro 2000. Ce qui n'empêche pas les locaux de développer un joli football à l'image de l'unique but. Arrive en boulet de canon Maurice Vanham et c'est goal! Oh, quel superbe but de Maurice Vanham! Quel centre aussi! Superbe centre de Samuel Rémy, le pied gauche magique, on l'a dit. Depuis cette volée, le Sporting ne l'a plus jamais emporté, mais d'autres événements ont marqué le derby. Comme en 2001, quand Dante Brogno décide de mettre fin à sa carrière face aux Rouges, tout un symbole. Yazdani donne le coup franc, deuxième, la reprise de Brogno et le goal! Oh oh oh! Mais quelle reprise de Dante Brogno! Un but qui tombe un peu mieux. Le huitième but qu'il marque contre le Standard. La balle est bonne. Prozinecki, ça c'est le goal. Voilà. Le but du Standard. Prozinecki. Ah oui, il se trouve devant le but. Et il va marquer. Mornar met le troisième but. 2002 est match un peu fou. 6 buts et au bout du compte, un partage. L'ouverture est signée ici Lukunku. Mais en fin de première période, c'est Charleroi qui prend les devants grâce à son attaquant russe Kolotilko. 1-2 à la pause et ce n'est pas fini. Frappé vers le milieu, le ballon dans le but, marqué par Ali Lukunku. C'est beau, c'est joli et c'est 3-3. Ce soir, espérons que les joueurs soient aussi inspirés qu'en 2002 devant un public plus passionné que jamais. On attend 20 000 personnes, un record. On connaît bien sûr la gouaille de Moji Bayat, on connaît un petit peu moins peut-être celle de son frère Mehdi qui pourtant n'a pas sa langue en poche non plus. Ici à Charleroi, on les surnomme les M&M's. Moji et Mehdi Bayat se sont prêtés au jeu des questions et réponses pour un portrait croisé. C'est en fait des extraits d'un programme, programme à l'initiative de l'ASBL J'arrive. C'est une émission mensuelle sur Télé-Sambre, elle s'appelle Sporting TV. C'est assez sympa, vous allez voir, la réalisation est signée Xavier Delval. Nom. Bayat. Bayat, pardon. Prénom. Mehdi Rolly. Moji. Arnaud. Âge. 27. 31 ans. Profession. Directeur commercial du Sporting Club de Charleroi. Manager général du Sporting de Charleroi. Quelle est sa plus grosse qualité? Travailleur. La plus grosse qualité de mon frère, son physique. Quel est son plus gros défaut? Un peu trop sûr de lui des fois. Mange trop de chocolat. Quelle est votre insulte préférée? Sende. C'est une insulte que personne ne comprendra, sauf mon frère. Enculé. Quelle est votre phrase préférée en iranien? Golosname. Ça aussi, il n'y a que lui qui comprendra. Khafecho. Qui de vous deux gère le mieux son argent? Lui. Moi. Frime le plus? Moi. Moi. A la plus grosse voiture? Moi. C'est des Peugeot les deux, elles sont très bien. Qui gagne le plus d'argent? Lui. Moi. Qui est le préféré de tonton? Moi, je crois. Les deux. Qui est le plus radin? Aucun des deux. Lui, je crois. Qui a la plus grande gueule? Lui. Moi. Qui est le plus fêtard? Mehdi. Moi. Qui joue le mieux au foot? Moi. Moi avant, mais depuis que j'ai pris 4-5 kilos, je dirais Mehdi maintenant. Qui a la copine la plus jolie? Moi. Tous les deux. Qui s'habille avec le plus de goût? Moi. Allez, on va dire Mehdi pour lui faire plaisir. Qui comprend le mieux le wallon? Moi. Mehdi. Qui ment le plus? Lui. Vu que, en moyenne, dans une journée, moi, je mens uniquement 50% de la journée, mais Mehdi 30%, je vais dire que c'est moi, alors. Qui est prêt à coucher pour que le Sporting soit champion? Mehdi. Lui essaye de me faire coucher. Qui travaille le plus? Moi. Tous les deux. Qui partira le premier de Charleroi? Aucune idée. Aucun des deux. Pourquoi est-ce qu'on partirait de Charleroi? Avez-vous déjà parié sur un match du Sporting? Non, jamais. Du Sporting, non. Avez-vous déjà parlé à un petit Chinois qui vous disait qu'il voulait racheter le club? Non. Non, jamais. On n'a pas parlé avec un petit Chinois pour racheter le club. On a parlé à ce petit Chinois-là. Mais il était là avec la direction du LIRS à la réception officielle l'année dernière. Avez-vous déjà tourné le dos à un ami? Non, jamais. Non. Rêvé au poste de bourgmestre de Charleroi? Non. Non. C'est une tâche trop compliquée que je laisse à tonton Jacques. Avez-vous déjà vu un porno? Oui. Hein. Oui. Avez-vous déjà eu envie de tout plaquer? Non. Non, ça jamais. Avez-vous plus d'ennemis ou d'amis dans le foot? D'amis, je pense. Ça va peut-être surprendre des gens, mais plus d'amis.
Complétez ma phrase. Finalement, avec Wasej, c'était... Une histoire de Johnny. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était une imposture. Venir à Charleroi, c'était... Très belle aventure. Une obligation. Ça m'emmerde vraiment de... Ah, froid. De perdre contre le Standard. Fréquenter des carolos à longueur de journée, ça me... Ça me rend fou. Difficile à assumer au niveau du foie. Un jour, je dirai à mon frère que... Qui est presque aussi beau que moi. Que de toute façon, je suis son chef et que j'ai toujours raison. Gagner autant d'argent, c'est... Pas nécessaire. Bien. À l'Union Belge, ce sont vraiment tous des... Des grands amis. Faire plaisir à mon frère, des vieux contons. L'arbitrage en Belgique, c'est comme... C'est comme... C'est un métier difficile. Y a rien à dire. C'est comme les Kinder Surprise. On sait jamais sur qui on va tomber et ce qu'on va avoir comme surprise. Mehdi ou Moji? Moji, hein. Mehdi. Personne n'est resté insensible aux images de ce véritable dérapage dont Sergio Conceição a été l'auteur mardi soir à Sclessin face à Zulte Waregem. Doigt d'honneur à l'adresse du public flandrien, crachat vers Steinmert et puis ce maillot jeté au visage de l'arbitre Peter Verwecken. Malgré ses excuses, le capitaine du Standard, vous vous en doutez, risque une lourde suspension, peut-être d'ailleurs une suspension préventive. Mais ce soir, il sera aligné ici sur la pelouse du stade du Pays de Charleroi. Et ce qui étonne et qui peut-être même dérange certains, c'est que la direction du club lui ait laissé le brassard de capitaine. Écoutez les explications de Pierre-François, le directeur du Standard. Je sais que la direction du Standard enregistre des signes d'irritation parce que nous n'avons pas pris cette initiative. Il faut connaître le groupe de nos joueurs. Il faut savoir tout le positif que Serge Conceição a pu apporter dans l'équipe en dehors du terrain et quand même plus d'une fois sur le terrain. J'aime mieux avoir indiqué à Serge Conceição que le geste n'était pas digne d'un capitaine et que ce brassard à la moindre incartade de ce type, ou même d'un degré inférieur, faut-il le dire, ce brassard nous devrons lui retirer, que cela lui brise le cœur ou pas. Serge Conceição n'a pas reçu la moindre carte rouge cette saison. Il y en a une lors de son premier match au Cercle de Bruges, la saison précédente. C'est 8 cartes jaunes quand même. Oui, pour des rouspétances. Jamais pour un geste de violence à l'encontre d'un joueur. On n'a pas dénombré, je ne l'ai pas fait, ça ne sert à rien, le nombre de gestes de violence commis à son encontre. On sait dans quelles circonstances il a été en quelque sorte allumé. C'est dommage qu'un joueur de sa classe n'ait pas répondu autrement qu'il ne l'a fait. J'aurais préféré le voir faire un solo dans la défense adverse. Mais bon, j'aime mieux menacer d'une sanction que d'arrêter de suite ce qui pour lui est considéré comme quelque chose d'essentiel. Contrairement à ce que certains non-supporters ont pu également penser, le blason, le brassard, c'est aussi important pour lui que jouer. Dernière info dans ce dossier Conceição et de ce match, triste match d'ailleurs, Standard Zulte Waregem, une dépêche qui nous apprend les excuses présentées par le club de Zulte Waregem au Standard, à sa direction, à ses joueurs, à son staff technique, à ses supporters, mais aussi au corps arbitral et à la presse. Ceci dit, Zulte Waregem précise que jamais, bien sûr, il n'y a eu cet objectif de créer des problèmes. Des problèmes, on espère que ce soir, ici au stade du Pays de Charleroi, il n'y en aura pas. Un stade probablement plein à craquer, 21 à 22 000 supporters pour ce derby wallon dont on espère vraiment qu'il se disputera, ou plutôt qu'il se jouera dans toutes les limites de la sportivité. Peter Vink, le néerlandais qui avait arbitré Saint-Trois-Anderlecht, qui emmène les deux équipes avec 7 hommes, bien sûr. Il joue gros. De toute façon, ce soir, Sergio Conceição, lui, il est là. Par contre, Kostar Apaic de Camargo n'y sont pas, ils sont blessés. Ils sont 5000 à avoir fait le déplacement. Et puis, regardez, c'est aussi derby sur le terrain, derby dans les tribunes, avec ce Calico, fier de ce pays noir étendard de nos espoirs. Botifo Carolo. À Charleroi, ce sera sans Agul Nikere. Mais ce sera avec beaucoup de détermination. C'est un peu étonnant que Nicolas évolue sur le flanc droit et Conceição à gauche. Mais pourquoi pas? Ah, la contre-attaque est possible. Si on veut la jouer rapidement du côté Carolo. Avec Christ, à sa gauche, il y aura Ulmers pour un centre. Et le but! Non!
Orlando, première possibilité devant Vedran Rougnier. 10 minutes en première période. Et oui, au départ, il y avait un bon mouvement, assez rapide. Le centre qui avait dépassé tout le monde. Hein. Ah, la petite passe, elle était jolie. Hein. Christ Ulmers et Orlando, c'est trop faible malheureusement pour le Sporting. Et regardez, il est bien présent. Il l'avait dit d'ailleurs, hein, Pietro Alata. Kovalenko, on ne l'a pas encore beaucoup vu Kovalenko. Ah, Dante, il est plus grand que Conceição. Ces deux-là parlent la même langue. Et il n'y a toujours pas de coup franc accordé à Conceição. Monsieur Vink qui reste intraitable là. Un appel d'Orlando, il y a Léonard qui a recoupé la course de Sarr. On ne se fait pas confiance là-bas, où on ne se parle pas. Ah, deuxième possibilité pour Charleroi, ou en tout cas deuxième difficulté pour la défense du Standard. Voilà un regard qui en dit long. Public du Standard qui encourage son capitaine de Flandre. Ballon perdu, récupéré peut-être par Gerhards. Vers le même Conceição, ça va pas être facile hein, cette soirée avec les colibés et les coups de sifflet. Conceição encore, le centre vers la tête de Chité. Juste à côté de l'objectif. 28 minutes, ah, c'était bien joué de la part du Portugais. Et Chité qui place la tête. C'est un coup de pied de but. Conceição toujours copieusement hué. Le coup franc dans le paquet, dans la mêlée. Dante, Camus. Ouais, Camus qui part tout seul, prise en chasse par Dembélé, bien joué hein, la conduite de balle de Fabian Camus. Terchel maintenant, il va tenter sa chance, c'est trop enlevé comme tir. Ah, il y avait peut-être moyen de faire mieux. Bertrand Laquet pour un dégagement destiné à Orlando, tenu par De Flandre. Ouais, c'est pas la première mauvaise relance du jeune Dante. Gerhard qui a relancé son capitaine. Attaqué maintenant par Varga et Laquet, oui. Je pense pas qu'il a touché, non, non. C'est un coup de pied de but. Il y avait danger, effectivement, mais ce ballon est passé derrière la transversale de Charleroi. Sterchel maintenant, avec le même Grégory Christ. Le Sporting joue mieux que le Standard. Et regardez, Ogushi Onyewu et Magi Toulmer, ce n'est pas possible. On ne retient aucune leçon dans ces deux équipes. Au match aller, il y avait eu Léonard et Orlando. Et ils vont être appelés, bien sûr, tous les deux. Alors, c'est la 75e carte jaune pour le Standard. C'est la 62e pour Charleroi. Et il faut qu'on en reste là. Hein. Il a fallu attendre 35 minutes pour avoir le premier coup de coin en faveur du Standard. Il est donné par son capitaine, la tête de Gerhards. Dans la mêlée, et coup de coin concédé par Serebrennikov. Deuxième coup de coin consécutif donc, les grands formats sont montés. Le ballon dans les pieds de Nicolas, et on connaît la puissance de sa frappe du gauche, ça ne passe pas loin de la transversale de Laquet. Possibilité pour les Liégeois, les grands formats étaient montés en ligne, mais c'est un attaquant, Nicolas, qui tente sa chance. Trop enlevé, Nicolas donc, qui joue à la place de Rapaïc ce soir. Onyewu, Dante qui a été dépassé, ballon contrôlé par Sergio Conceição, Chité qui plonge le but, oh Laquet, qu'est-ce qu'il a sorti là le portier de Charleroi, fantastique. Ah oui, Bertrand Laquet qui a retrouvé sa place, hein. Cette possibilité pour les Liégeois, on joue depuis 39 minutes, le centre était parfait, est-ce qu'il n'y avait pas hors-jeu tout de même, si hein, de la part de Chité, oui, je pense qu'il y avait bel et bien hors-jeu de la part du jeune Congolais, mais quelle parade de Laquet, c'est toujours 0-0. Et c'est Ulmers qui peut dégager le Sporting. Serebrennikov, elle est bonne cette passe. Est-ce qu'Orlando est plus rapide que De Flandre? Accélération du Brésilien qui est dans le rectangle maintenant. Et il y a une faute. Faute de Sterchel sur Sarr. Ah voilà, exact. Ouais, et ça peut valoir un carton jaune, hein, ça, pour Sterchel. C'est vraiment de l'anti-jeu. Il n'était pas terrible ce dégagement de Bertrand Laquet. Mais il profite tout de même à Camus. Et il y a Sterchel qui appelle, toujours à la limite du hors-jeu, hein, Sterchel. Et voilà la possibilité. Oh, ça passe de peu à côté de l'objectif. François Sterchel, son compteur qui reste bloqué comme lui dans la boue, à 9 réalisations. Un quart d'heure dans cette seconde période, joli, hein, le déboulé et puis le centre de Fabian Camus. Ogushi Onyewu était surmonté, il a voulu placer, un petit peu trop peut-être.
Rougnier partait du bon côté. Oh, il y avait moyen de la mettre au fond, début du Standard. Hein. Et de nouveau une possibilité. C'est Charleroi qui domine ce début de seconde période. Oh, ce ballon trop puissant peut-être pour être redressé par Sterchel. La tête des mauvais jours pour Dominique D'Onofrio. Simon est de failli. C'est notamment l'entrejeu du Standard qui est dominé par celui de Charleroi. Orlando, ballon n'est pas sorti. Sterchel et Ulmers à côté. 21 minutes dans une seconde période dominée par l'équipe de Jacky Matheisen avec cette nouvelle possibilité. Orlando, c'est aussi au niveau du marquage qu'il y a du laxisme dans le chef des joueurs du Standard. Kovalenko cède sa place à Morera, Almani Morera. Gerrards, Dembélé, et voilà deux des joueurs en méforme du côté du Standard. Gerrards et Dembélé, en tout cas par rapport au dernier match qu'on leur a vu faire. Et de Flandre, moins rapide qu'Orlando, avec Sterchel cette fois-ci pour tromper Vedran Rougnier. Ce ballon qui ne veut décidément pas rentrer dans la cage liégeoise. 23 minutes dans cette seconde période, mais regardez, hein, nouvelle action, nouveau débordement, nouvelle accélération d'Orlando. Il y a plus de vivacité, par contre, il y a vraiment un manque de réussite ou un peu de maladresse de la part de Sterchel. Thierry Siquet, lui aussi spectateur attentif. Onyewu, petit coup d'œil vers Conceição. Contrôle sera difficile hein, pour le Portugais. Les deux capitaines face à face, le centre, contré par Simon. Morera, limite hein, de la part de Morera. Et là, c'est un coup franc pour le Standard. Le coude à coude, Camus, Morera, et puis la faute du Français. Et le coup franc. Conceição pour le donner. Ah oui. En l'absence de Rapaïc, c'est le capitaine qui a pris ses responsabilités. Et il cherchait la lucarne de la quai. Hein. Nouvelle vision, le mur était contourné. Oh, la quai était battue si c'était cadré. Il reste 10 minutes dans ce match, toujours indécis. Negué de la tête. Et Morera, le contrôle. Et puis maintenant, le plus difficile est à faire. Et on se bat hein, en défense du côté Carolo. Regardez un petit peu, c'est le retour d'Abdelmajid Ulmers. Traouche à une des rares fois depuis 10 minutes que le Sporting passe la ligne médiane avec Camus qui va sans doute rentrer dans le jeu. Léonard est passé, Camus encore, il tente sa chance derrière le filet latéral, Fabien Camus. Là, on a un petit peu l'impression qu'on va terminer ce match sans but, au total équilibré. Le Sporting a dominé le début de la seconde période et depuis 10 minutes, c'est le Standard qui prend l'ascendant. Gerrards encore, ballon perdu, récupéré peut-être par Negué. Déjà une minute de temps complémentaire, on en a donné deux. Morera, il va tenter sa chance. Bertrand Laquet une fois de plus sur la trajectoire de ce ballon. Et c'est un coup de pied de but effectivement pour le Sporting de Charleroi. Ah, c'était une occasion vraiment intéressante pour les Liégeois, mais à nouveau... Bertrand Laquet très présent sur ce tir d'Almami Morera. Voilà, coup de sifflet final de Peter Vink. Et bien voilà le derby wallon qui renvoie les deux frères ennemis dos à dos. 0-0, mais c'est évidemment le Standard qui est le grand perdant de cet affrontement. Tout profit sans doute pour Anderlecht et Bruges éventuellement. Est-ce que le Standard a fait une mauvaise opération aujourd'hui? Le public pas, parce qu'on s'est amusé, c'était un beau match, mais on s'est dit, bon, bah, aujourd'hui il y avait un coup à jouer, est-ce que vous l'avez manqué ou pas? Bah, manqué, c'est pas, on est quand même en déplacement, à Charleroi c'est jamais évident, c'est un derby, on sait bien que les derbys ça se termine souvent sur match nul, on a fait le même résultat l'année dernière, cette année encore, je pense qu'au vu des occasions, le résultat est quand même logique, je crois. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, c'était plutôt un match avec énormément de duels, quand même assez réglo, et bon, je pense que les supporters ont vu un beau match de foot malgré tout. Un des acteurs hein, du match, ce soir, je pense qu'il s'en veut un petit peu d'avoir manqué cette occasion-là. Bah oui, même deux occasions que j'ai, une que je mets juste à côté et une que je tire sur Vedran, ouais, c'est sûr que je m'en veux un peu parce qu'un buteur, il pense qu'il a marqué, mais bon, on a pris un point et c'est pas si mal. Quoi. Un très très beau match, on s'est bien amusé. Et...
Finalement, vous avez, avant le match, l'occasion de faire la différence, une bonne opération. Vous ne l'avez pas faite, mais finalement, rien n'est joué. Tout est encore possible. Non, je crois qu'aujourd'hui, il était important de se refaire surtout une petite santé, après ce qui s'était passé, bien sûr. Il ne fallait pas perdre. Mais nous avons aussi essayé de gagner ce match. Nous avons eu au moins 4-5 belles possibilités. C'est vrai, Charleroi aussi, on a eu 2-3 belles. Mais voilà, ça se termine par un 0-0. Bon, il était très difficile de faire mieux sur une surface de jeu comme ça aussi. Et on sait toujours que se déplacer à Charleroi, c'est vraiment difficile. Ben, je crois bien, et ça a toujours été, ça doit rester comme ça. Hein. Je crois que ça, c'est une chose très importante pour une équipe, d'être fort, d'être bien, de prendre des points à domicile. C'est ce qu'on essaye de faire. Bientôt Anderlecht se déplace ici, ce sera le même scénario ? J'espère avec une victoire à la fin. Hein. Je crois que même point de vue jeu, je crois que ce sera un match similaire à celui d'aujourd'hui. Vendredi prochain, le rendez-vous que vous propose Studio 1, ce sera la rencontre des deux Sporting, Sporting d'Anderlecht, Sporting de Lokeren. D'ici là, des rendez-vous sportifs, bien sûr, à commencer par demain samedi sur la 2, 14h45, le Grand Prix de l'E3. Dimanche, 14h20, la flèche Brabançonne. Et 17h40, mais sur la 1, bien sûr, le direct Moucron-Genk. N'oubliez pas, lundi, Studio 1, Michel Lecomte, Rodrigo Benkens, Vincent Langenries, Benjamin Deceninck, des invités de marque, Paul Van Imst, Léon Semelin, et nous reviendrons, bien sûr, la rédaction de l'RTBF reviendra sur l'affaire Conceição. Bonne fin de soirée, merci de nous être fidèles. Au revoir. Qui a fait un faux pas à 23h15, Sipovic.